Alors, le frère Coco et qu'est-ce que je dis, le pasteur, le docteur Coco, évolue en tant que pasteur dans l'église qu'on appelle l'Arc de Dieu en Angleterre. Donc, c'est lui que nous avons le privilège d'écouter ce matin. Si tu es dans la joie de l'accueillir, alors nous allons ovationner le roi des rois pendant que je suis en train de l'appeler. Nous allons chanter ensemble au Burkina le Kumu. Oshé Kira Bana Boso Korobe Kira. Obunina lo kumu. Obandina mesika. Tu es l'éternel et notre
Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Yahweh. Tous les dieux des nations sont des morceaux de bois. Ishia okara voro mesheka. Oh oui, tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Oshia keboro meshika ramoso. La main cachée, c'est toi. Les charabome te karamosoko. Les sauveurs, la délivrance d'Israël. Omoshe karamas yama romoko. Yahweh le tout-puissant, nous t'adorons. Omeshe karata, oboshe karabata. Oh, nous t'adorons, Yahweh, parce que tu es notre vie. Tu es notre vie. Tu es notre vie. Aha, oboshe karabata. Nous avons nos vies en toi. Recha omara mosoto. Nous avons nos vies en toi. Preshi karamoso. Oh, voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Oh, she karamasi karamoso. Meshe karabose kedama. Oh, she amasi karamasi karamoso. Oh, preshe karamasi karamoso. Neshe karamasi karamoso. Papa, ce matin, nous sommes venus vers toi. Nous sommes venus écouter ta parole ce matin. Tu nous as invités. C'est toi qui as envoyé l'invitation pour que nous puissions venir à table et manger ta parole. Oh, nous nous sommes approchés, Yahweh. Nous nous sommes approchés, éternel, maraîcher ta boromécheka. À présent, oh Seigneur, utilise ton servant pour que nous puissions tous ensemble manger le repas qui vient du ciel. Utilise Choboro Mesheka Ramaseka. Oh, nous voulons te connaître toi davantage. Nous voulons te connaître toi davantage. Osha Obraka Ramaka. Parle maintenant à ton peuple pour que nous puissions tous se quitter de cet endroit, changer, transformer pour la gloire de ton nom. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, je suis à la joie d'être ici. Je remercie le pasteur pour l'invitation. Merci beaucoup, Papa Sylvain, pour cette invitation. J'aime beaucoup prêcher la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il y a une invitation comme ça, je suis très content. Amen. Ce matin, je veux parler du travail de Jésus. Nous allons un peu voir qu'est-ce qu'est le travail de Jésus-Christ. Et nous allons lire dans le livre de Luc 4. Nous allons lire dans le livre de Luc 4. Je vais lire à partir de 16. Luc 4 à partir de 16. Nous allons de vous couler la parole. Nous sommes là, je vais dire. La Bible, même, la Bible nous dit, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, eux, conformément à son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il le roula et trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons vous mettre la parole. Aujourd'hui, avec le temps que j'ai, je vais essayer un peu de parler du travail de Jésus-Christ. Quel était le travail de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que Jésus-Christ était venu faire quand il était venu ici sur la terre? Alors, dans ces passages qu'on vient de lire, il y a quelque chose de très important que je vais commencer par citer. À 16, on nous dit que Jésus se rendra à Nazareth, où il était élevé, et conformément à son habitude. Là, directement, on voit que Jésus-Christ avait une habitude. Et l'habitude de Jésus-Christ ici,
ce n'était pas seulement de se rendre au temple. Oui, c'était parmi l'un de ses habitudes d'aller à la synagogue. Et une autre partie de son habitude ici, c'est de lire l'écriture qu'on a vue là. Que Jésus-Christ avait une habitude. Dans d'autres versets, dans d'autres Bibles, on nous dit qu'il avait une coutume. Que Jésus-Christ avait une coutume. Parce que la coutume, c'est quelque chose que tu fais d'habitude. Quand tu répètes quelque chose plusieurs fois, cela devient ta coutume. Alors, une coutume, ce n'est pas un mauvais mot. Et vous allez voir que le pasteur d'aujourd'hui a les problèmes avec le là, le une et le. Il y a un et une. Parce que c'est un anglophone. Amen. Amen. Alors, on nous dit qu'il s'est rendu au synagogue. Comme c'était son habitude. Donc c'était une bonne habitude. Tu peux avoir une coutume qui est une bonne coutume. Alors quand c'est une bonne habitude, quand c'est une bonne coutume, il faut continuer de faire cela. Et après maintenant, on nous montre l'autre partie de l'habitude de Jésus. C'est ce qu'on lit là. Il prit les livres et il lit quelque chose. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, chaque fois que Jésus-Christ faisait son habitude de se rendre au temple, de se rendre à la synagogue, il apprenait cette écriture pour dire aux gens que l'Esprit de Dieu est sur moi, que Dieu a mis son esprit sur moi, que Dieu m'a oint avec son esprit pour que je vienne vous annoncer la parole de Dieu. Amen. Donc, c'était ça le travail qui était venu faire. Maintenant, en annonçant la bonne nouvelle, en annonçant la bonne parole, c'est là où toute la suite des choses arrive. On lit que à partir de 18, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré, dans d'autres Bibles, on dit que parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Ça, c'était l'habitude de Jésus-Christ. Chaque fois, quand il se rendait au temple, il commençait avec ça. Parce que, pourquoi est-ce qu'il commençait avec ça? Si Jésus-Christ ne disait pas ça aux gens, les gens n'allaient pas croire. La Bible nous dit quelque part que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, Jésus-Christ devait utiliser cette écriture. Dire aux gens que, comme je me suis présenté devant vous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et avec l'Esprit de Dieu qui est sur moi, j'ai un travail à faire. Et le travail de Jésus, c'était de faire que là où il y avait les aveugles devaient retrouver l'accouplement de vue. Là où il y avait les prisonniers devaient quitter la prison directement. Et là où il y avait le cœur brisé, le cœur devait être fixé. Et c'était ça le travail de Jésus. Et partout où il allait, c'est ce qu'il faisait. Donc tout ça englobe directement ce qu'on appelle le ministère. Et même le ministère du Fils de Dieu lui-même. Faire le travail. Quand il dit que mon père est en train de travailler, voilà pourquoi je travaille. Les choses que je vois mon père faire, c'est ça les choses que je suis en train de faire. C'est ça le travail. Le travail de Jésus, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, quand tu essaies un peu de regarder la façon dont le juif réfléchit, les juifs aiment parler d'une chose et diviser ça en beaucoup de parties pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Que quand tu lis, on voit pas qu'on nous parle des aveugles, on nous parle des prisonniers, on nous parle des gens qui ont le cœur brisé et on nous parle des pauvres. Et tu vois pas qu'on est en train de parler des choses différentes, mais c'est une même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es aveugle, directement tu es pauvre et directement tu es dans une prison. Quand tu as un cœur brisé, directement tu es pauvre, directement tu es dans une prison, directement tu n'arrives pas à faire beaucoup de choses parce que ton cœur est malade. Donc tout ça, on nous parle d'une même chose. Ça veut dire qu'il y avait une prison. Et les prisons là, c'est Satan. Avec toutes ces mauvaises choses, avec toutes ces histoires qu'il a fait pour mettre les gens en prison. Maintenant, l'Esprit de Dieu vient pour briser les prisons.
L'Esprit de Dieu vient pour briser les chaînes. L'Esprit de Dieu vient pour apporter la liberté. Alors il dit que quand il vient annoncer une année de grâce, il dit, ça veut dire que toute personne qui n'avait pas reçu de grâce, parce que lui maintenant il est en train de prêcher, la grâce vient sur tout le monde. C'est tout le monde, tout celui qui va s'approcher pour écouter la parole de Dieu, la grâce vient sur la personne. Alors, ce n'est plus une histoire où les gens vont s'efforcer. Ce n'est plus une histoire où quelqu'un va dire que, oh, moi, je ne viens pas d'une bonne famille. Oh, moi, je viens de pays de blanc, pays de noir, pays de jaune ou pays de rouge. Non, non, non. Toutes ces choses-là, Dieu a pris, il a mis à côté. Il est venu faire grâce à tout le monde. Tout celui qui s'approcha pour écouter. Quand le Fils de Dieu parle, il va récupérer la grâce. Amen. Voilà ce qu'on appelle le travail de Jésus. Amen. Alors, ce travail ici, pourquoi d'abord Jésus pouvait le faire? Pourquoi d'abord il annonce, il vient dire aux gens que l'Esprit de Dieu est sur moi? Parce que pour faire le travail là, de prendre quelqu'un et de le faire sortir de la prison, ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile de délivrer les gens. Voilà pourquoi même que, bien qu'il y avait beaucoup de prophètes, au jour même que Jésus-Christ est arrivé, il y avait encore des gens en prison. Il y avait encore beaucoup, même en Israël, il y avait beaucoup de pauvres en Israël. Il y avait beaucoup de boités. Il y avait les gens qui avaient toutes sortes de maladies. Ils étaient là, bien qu'il y ait tous les prophètes. Ça veut dire que la force que les prophètes avaient ne pouvait pas faire tout le travail là. Et pour faire le travail là, il fallait seulement l'Esprit de Dieu. Amen. Cet Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qu'on voit au commencement. On nous dit qu'au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de la surface, au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu là, cet Esprit-là, ne pouvait pas rester sur n'importe qui. L'Esprit venait petit comme ça sur David. L'Esprit là venait petit comme ça sur Jérémie. L'Esprit venait petit comme ça. Un petit esprit là venait sur Samuel. Et Samuel pouvait prophétiser comme il prophétisait. Samuel, c'était un prophète. Il était, c'était pendant la saison sèche. Et Samuel pouvait se mettre à dire, maintenant il va pleuvoir. Et il y avait la pluie immédiatement. Maintenant il va avoir des coups de foudre. Il y avait la pluie, les coups de foudre immédiatement. Pendant la saison sèche. C'est un petit esprit comme ça qui venait sur eux. C'était un petit esprit qui était venu sur David. Et David est descendu, il a tapé Goliath. Amen. Maintenant, cet esprit-là venait sur eux et remontait. Venait sur eux et se remontait. Maintenant, sur Jésus-Christ, tout l'esprit de Dieu est venu. Amen. C'est pourquoi il s'est présenté à disant que l'esprit de Dieu est sur nous. Amen. Et cet esprit-là, pourquoi est-ce que l'esprit de Dieu peut faire des choses? L'Esprit de Dieu qui était au commencement, c'est l'Esprit qui a créé le ciel et la terre. Amen. C'est l'Esprit qui a mis la lune en place, qui a mis le soleil en place. Amen. C'est l'Esprit qui a dessiné les jours. C'est l'Esprit qui a mis toutes ces choses en place. Quand Dieu disait que la lumière soit, c'est l'Esprit de Dieu qui sortait pour faire à mesure que la lumière puisse être. Amen. Quand Dieu disait que, okay, yes, que l'eau, que la terre sort de l'eau, c'est l'Esprit de Dieu qui partait pour faire sortir la terre. Yes. C'est cet esprit-là qui a fabriqué l'homme. Quand Dieu a pris la poussière, il a mis la poussière par terre, là, il n'y avait pas de vie. Mais là, quand Dieu a soufflé l'esprit dans l'homme, l'homme pouvait vivre. Amen. C'est l'esprit qui est venu pour façonner tout ce qu'on a dedans. La fabrication du sang, la fabrication des veines, la fabrication du cerveau, la fabrication de la pensée dans l'homme, ça vient de l'esprit. Amen. Mais là, c'est cet esprit-là qui est l'esprit qui a fait le travail, qui peut seulement venir pour fixer l'homme encore. Quand l'homme est brisé, rien ne peut fixer. Quand l'homme a le cœur brisé, rien ne peut venir pour fixer l'homme. Quand l'homme est en train de souffrir, rien ne peut venir pour fixer l'homme. Mais l'esprit, parce que l'esprit a créé l'homme, parce que l'esprit sait comment l'homme est fabriqué, l'esprit est en mesure d'entrer et de fixer l'homme comme ça. C'est pourquoi vous allez voir quelque part qu'il y avait une femme qui avait le problème de sang. 12 ans, elle a souffert. Quand elle s'approchait vers Jésus pour toucher cet esprit-là, directement, elle s'est sentie bien en elle. Directement, la vie est entrée dans elle. Tous les problèmes étaient terminés. Directement. Pourquoi ça s'est fait? Parce que l'esprit qui était sur Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Quelque part, on nous dit que montagne, qui est une montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani.
pas par les muscles, pas par les forces, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est plus fort que tout. L'Esprit de Dieu peut fixer toutes choses. Yes. C'est pourquoi c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu là, c'est Dieu lui-même. Amen. Vous allez voir que le nom de Jésus, quand maintenant on vient, on commence à l'appeler Jésus-Christ. Christ, quand on ajoute le Christ dans le nom de Jésus, ça ne veut pas dire que c'est ça le nom de la famille de Jésus. Non. Le Christ, quand c'est ajouté à Jésus, ça vient nous montrer la fonction de cet homme-là. L'onction, c'est ça le Christ. Encore, quand on remet le Christ en français, ça veut dire l'onction. Ça veut dire choisi. Quelqu'un que Dieu a choisi. Quelqu'un sur qui Dieu a pris toute l'onction et il a mis sur lui. Amen. Alors, le nom Jésus, en français, ça veut dire sauveur. Alors, c'était un garçon qui était sauveur. Et il voulait sauver tout le monde. Il voulait sauver toute la terre. Mais il ne pouvait pas le faire sans l'Esprit. C'est pourquoi lui qui était Jésus, qui voulait sauver, Dieu est venu sur lui, il a pris maintenant l'Esprit, il l'a mis sur lui. Amen. Maintenant, cet Esprit-là pouvait faire le travail de sauver. Amen. Alors, chaque fois, quand tu es en train de parler de Jésus-Christ, tu es en train de parler du Sauveur qui est à mesure de te sauver. Amen. Il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas une histoire de débat où les gens se mettent d'accord. Ok, on va faire les débats. Vous allez vous mettre, c'est celui qui dit que moi je veux le rouge, moi je veux le vert, moi je veux le rose, moi je veux 3 heures, moi je veux 3 jours, moi je veux 3 mois. Non, non, non. En Dieu, il n'y a pas de discussion. Yes. En Dieu, il n'y a pas de débat. Yes. Dieu vient pour fixer la terre. Amen. Tout celui qui va l'invoquer, amen, sera fixé. Amen. Et c'est ça le travail de Jésus. Amen. Jésus-Christ n'est pas là. Ou bien l'Esprit de Dieu n'est pas là pour dire que, ok, aujourd'hui je suis fatigué, revenez demain. Non, en Dieu il n'y a pas ça. Amen. Dieu est à mesure de fixer toute la terre à un seul moment. Amen. Dieu, c'est lui le créateur. C'est Dieu qui a dit que la terre puisse être et la terre est venue. C'est lui qui est maintenant qui a pris cet esprit-là pour mettre sur Jésus, pour que Jésus-Christ puisse faire le travail dans toutes nos vies. Amen. Et l'Esprit, parce que c'est l'Esprit, ça ne se fatigue pas. L'Esprit de Dieu ne se fatigue pas. Amen. Et parce que c'est l'Esprit aussi, il y a une force qui est éternelle. L'Esprit ne se fatigue pas et l'Esprit est éternel. Ça veut dire quoi? Parce que Jésus-Christ, il avait l'Esprit. Le premier travail de l'Esprit sur Jésus-Christ, c'était de le guérir lui-même. Amen. Jésus-Christ n'était pas malade. Jésus-Christ, quand pendant qu'il était sur la terre, en aucun jour il s'est mis, oh, aujourd'hui je suis en train de tousser. Pierre va lui dire qu'il n'y a pas la campagne qui rentre, qui revient demain. Non. Jésus-Christ était guéri. Chaque jour, il était guéri. Chaque jour, cet esprit était une énergie. C'était comme une batterie. Amen. Qui se rechargeait toute seule. Amen. Donc, quand il se réveille directement, je suis Jésus. Yes. Je suis, le fruit est à moi. Alors, ces choses-là, Jésus-Christ n'a même pas poussé ces jours. Avec tous les moustiques qu'il y avait à Jérusalem, aucun moustique l'a piqué pour qu'il puisse avoir la malaria. Amen. Jamais. Amen. Parce qu'il avait l'esprit. Amen. C'est ça le travail numéro un de l'esprit. Alors, cet esprit-là, qui était en mesure de guérir Jésus-Christ chaque jour, c'est l'esprit que nous tous nous avons eu. Amen. Nous tous, parce que nous sommes ses enfants, Amen. Il nous a aussi donné cet esprit-là. Amen. Et parce que l'esprit est en nous, cet esprit-là, tu peux appuyer l'esprit de Dieu qui est en toi pour que l'esprit commence à tourner et cet esprit-là commence à te guérir toi-même. Avant que tu sois pour guérir les autres, l'esprit-là d'abord commence à te guérir. Amen. L'esprit de Dieu commence à tourner en toi pour que là où il y avait l'aveuglement puisse fuir. Amen. Là où il y avait les prisons puissent fuir. Amen. Là où il y avait les chaînes puissent être brisées. Et là où il y avait la pauvreté puisse fuir. Amen. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui fait le travail. Et cet esprit-là est en toi. Une bonne chose avec l'esprit de Dieu. Vous allez voir que, après, quand Jésus-Christ est parti, quand les disciples ont commencé à faire leur travail, quand Paul est arrivé, quelque part, Paul commence déjà à écrire les lettres. Et dans ces lettres, il est en train de dire aux gens, réveillez-vous, vous les gens qui dorment. Réveillez-vous, vous les gens qui dorment. Déjà à l'époque de Jésus, là, non pas à l'époque de Jésus, à l'époque de Pierre et Paul, Paul pouvait écrire une lettre et dire aux églises de se réveiller. Pour dire qu'il y a un jeu que le méchant fait avec nous.
il peut entrer pour nous faire dormir encore. Quand le méchant peut entrer pour nous faire dormir encore, toi, quelqu'un qui a l'esprit, toi, quelqu'un qui a un esprit de feu en toi, tu peux commencer à dormir sur le lit, dire que oh, je suis malade, oh, j'ai mal à la tête. Pendant que en toi, il y a l'esprit qui guérit, tu peux être à mes yeux de dire que ah, je ne me sens pas bien. Quoi? Quand tu dors, l'esprit qui est en toi fonctionne par les ordres que toi tu donnes. Amen. C'est toi qui vas dire à l'esprit de Dieu qui est en toi, toi esprit de Dieu, réveille-toi, fais ton travail. Amen. Et si tu ne fais pas comme ça, l'esprit de Dieu va dormir aussi. Imaginez-vous que Jésus-Christ était avec les disciples. Ils étaient dans les bateaux. Et les bateaux, pendant qu'ils étaient dans les bateaux, il y a eu une grande vent sur la mer. Et les disciples ont commencé à fixer les problèmes eux-mêmes. Ils ont commencé, Pierre, parce qu'il était un pêcheur, et les autres, ils ont commencé à faire les travaux eux-mêmes. Ils ont commencé à utiliser leur force musculaire pour arrêter les vents. Et ils n'ont pas pu. Et ils sont partis maintenant. Imaginez-vous que Jésus-Christ était avec eux, mais ils dormaient. Parce qu'ils dormaient, et ils avaient les problèmes. Mais là, ils devaient partir maintenant me dire que maître, tu es en train de dormir, nous sommes en train de périr. Maintenant, quand Jésus-Christ s'est réveillé, il n'y avait pas de débat avec le vent. Directement, il a dit couche, silence. Et directement, les voix s'est tue et il les a regardés. Il a dit pourquoi vous avez eu peur? Où est votre foi? Et tous, ils ont regardé. Waouh, qui est cet homme? Qui est cet homme? Amen. Il était avec eux, mais eux, ils ont voulu faire leur travail avec le muscle. Avec le muscle, tu peux rien faire. Amen. Parce que quelque part, on dit que c'est l'esprit qui vivifie. Amen. La chair, elle ne sert à rien. Amen. Parce que tout le travail que Jésus-Christ faisait avec eux, c'était pour les expliquer que tu peux sortir et commencer à vivre en esprit. Amen. Tu es dans la chair, alléluia, c'est bien. Mais tu peux sortir et commencer à utiliser ton esprit. Amen. Si tu utilises ton esprit, tu pourras dire au vent de se taire et le vent va se taire. Parce que ce que Jésus-Christ a fait, si c'était le travail de Dieu, il allait dire que vous les enfants, je viens d'arrêter les vents parce que je suis Dieu. Vous n'osez jamais les faire. Mais il les a dit, où est votre foi? Le travail de Jésus, c'était de les expliquer que vous aussi, vous pouvez dire au vent et ne pas vous oublier. Et la force qui fait arrêter les vents, c'est l'esprit. Amen. Parce que quand tu arrêtes, alléluia, tu sors de ton corps pour commencer à regarder en esprit, tu pourras faire les choses que eux ont fait aussi. C'est ça même aussi la prédication. De nous dire que tous les prisons, tout l'aveuglement que Satan amène dans nos vies, ce sont des choses qui utilisent des mensonges. Il vient pour mentir aux enfants de Dieu et les enfants de Dieu ferment leurs yeux. Pendant qu'il y a toute une victoire autour d'eux, mais eux, ils voient la défaite. Pendant qu'il y a un Dieu de gloire tout autour d'eux, eux, ils ne voient pas les dieux là. Ils sont des montagnes. Ça, c'est aussi le travail du mensonge. Maintenant, la vérité, qui est la vérité de la prédication de Dieu, elle vient pour nous faire dire que, hey, arrête de regarder en utilisant tes yeux ici. Arrête de vivre en utilisant tes muscles. Arrête de vivre en utilisant ta tête. Tu y as l'esprit. Toi aussi, tu as l'esprit. Toi aussi, tu as reçu l'esprit de Dieu. Toi aussi, l'esprit de Dieu est sur toi. Toi aussi, l'esprit de Dieu est en toi. Quand tu entres et que tu commences à regarder les choses par l'esprit, tu pourras dire que je vis pas par la vue, mais par l'esprit, Amen. Par la foi. Amen. Tu commences à regarder ces choses-là. Tu vas voir que oh, les choses vont devenir simples pour toi aussi. Toi aussi, tu pourras dire que oh, moi, ma vie est simple. Pendant des gens que tout le monde va commencer à dire que ah, la vie c'est difficile, la vie c'est difficile, la vie c'est difficile. Tu pourras dire que oh, ma vie à moi elle est facile. Parce que ce n'est pas moi qui fais les choses, mais c'est l'esprit de Dieu qui fait les choses pour moi. L'esprit de Dieu que Dieu a mis en nous. D'abord, avant, aujourd'hui, c'est pas que oh, tu vas prendre ta main et mettre sur les gens. Non. D'abord, ça c'est pour toi-même. Que l'esprit qui est en toi, tu peux le faire tourner. Une énergie de Dieu qui te guérit. Une énergie de Dieu qui te fait chanter. Une énergie de Dieu qui te donne la joie. Une énergie de Dieu qui te donne l'intelligence. Une énergie de Dieu qui te fait mettre debout. Pendant que tout le monde est en train de tomber, toi tu restes debout. Parce que tu as l'esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est aussi sur toi. Maintenant, quand Jésus-Christ disait que l'Esprit de Dieu est sur moi, ce n'était pas seulement pour les gens qui étaient là, c'était pour lui-même aussi. Jésus devait se rappeler que l'Esprit de Dieu est sur moi. Lui-même devait dire que l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est pourquoi vous voyez que quand on venait dire que Jésus,
On essaie de te tuer, on va te tuer. Il répond, allez dire à Serena là, je prêche aujourd'hui, je prêche demain, je prêche là-bas, je prêche là-bas. Et quand vous allez me tuer, après 3 jours, je vais me réveiller. Il me disait ça, pas seulement pour eux, pour lui aussi. Parce que s'il avait essayé de dire que oh, peut-être je vais me réveiller ou peut-être pas, il allait rester. S'il avait dit qu'après 1 mois, je vais me réveiller, il allait dormir pendant 1 mois, c'est là où il allait se réveiller. Il devait dire que tuez-moi. Détruisez les temples, après 3 jours, je vais les reconstruire. C'était pour lui-même qu'il disait ça aussi. C'était pour lui-même qu'il devait, si ces choses ici, la parole de Dieu, si tu oublies la parole de Dieu, tu n'as pas de force. La parole de Dieu, si j'ai dit ça, que la parole de Dieu, c'est elle est spirituelle. C'est un esprit que Dieu a mis en nous. Alors, cette parole-là, si tu oublies ça, tu ne pourras pas combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il vient avec, ce sont des blagues, mais ce sont des blagues dessinées spirituellement. Alors, tu ne peux pas utiliser tes muscles pour te battre contre Satan. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre ta tête. Satan. Non. Tu peux utiliser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est un esprit. Parce que tu es en train de laisser ta famille, tu es en train de laisser tes muscles et entrer dans les combats spirituels. Dire que non, Satan, tais-toi par le nom puissant de Jésus. C'est l'esprit. On appelle ça l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, nous l'avons tous. Ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre aujourd'hui. Non. Nous tous ici, nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu, tous, nous avons la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est ça la force de Dieu. C'est ça les bombes nucléaires de Dieu. C'est ça les missiles de Dieu. La parole de Dieu, elle est esprit. C'est un épée spirituelle. Si l'homme qui a dit que c'est un esprit spirituel, s'il était aujourd'hui, il allait appeler ça que la parole de Dieu, c'est ça les bombes atomiques. Parce qu'à l'époque là, ils avaient les épées, ils pouvaient l'appeler ça épée. Mais s'il était aujourd'hui, il allait dire que la parole de Dieu, c'est ça même les missiles, c'est ça même les bombes anatomiques. Et quand tu as la parole de Dieu, tu es déjà un homme spirituel. Amen. Ta spiritualité commence quand tu ouvres ta bouche. Chaque fois quand tu ouvres ta bouche, tu es un être spirituel. Yes. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu es en train de faire sortir ton esprit. Amen. Tu es en train de faire nous dire qu'est-ce que ton esprit est en train de dire. Amen. Ta voix, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Amen. Maintenant, les méchants, les malins vont te piéger pour que tu puisses dire « Aïe, ma main me fait mal ». C'est ça le travail de Satan. Parce que si tu ne dis pas que ta main ne te fait pas mal, Satan n'a pas de force pour faire ta main mal à ta main. Il doit utiliser ta bouche pour que tu dises que ma main me fait mal. Et puis là, maintenant, ta main te fera mal. Parce que tu es un être spirituel. Et dans les choses spirituelles, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous amener tous. Tous, nous sommes les enfants de Dieu. Tous, Dieu veut que nous puissions entrer en esprit et que nous puissions marcher en esprit. Tous, ce n'est pas pour les pasteurs, non, ou les diacres, ou les gens qui chantent dans la chorale. C'est pour toute l'église. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu, nous avons l'image de Dieu. Et l'image de Dieu que nous avons, c'est l'esprit. Parce que Dieu est spirituel. Il a pris quelque chose de lui qui est un esprit et il a mis en nous. Et je sais que plusieurs parmi nous vont se dire, ah, j'ai jamais vu cette image de Dieu en moi. Je n'ai jamais vu ces choses de Dieu en moi. Je n'ai jamais senti ces choses de moi. J'ai encore mal à la tête. Oh, j'ai encore ça. Oui. Tu vas avoir toutes ces choses-là jusqu'au jour où toi-même tu vas dire Rasha Brekenama. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Moi aussi, je suis né de Dieu. Moi aussi, je suis né d'en haut. Moi aussi, Barasho Koromoko. Jusqu'au jour où tu diras ça, c'est seulement à ces jours-là que les choses vont commencer à se passer dans ta vie. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Il est venu, Jésus-Christ, pour nous ramener nous tous. Pour que tout celui qui croira deviendra enfant de Dieu. Amen. Amen. Tous, nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça le travail de Jésus-Christ. Il est venu avec l'onction et pas la prédication de la parole. Il est venu nous apporter la liberté. Amen. Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de quoi? Il est venu nous sauver de la manière dont nous étions tous nés pour nous amener dans l'esprit. Que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a un épée qui vient couper, on appelle ça la circoncision. Et quand on te coupe, maintenant tu deviens aussi spirituel. Amen. Maintenant, ta spiritualité, elle a aussi besoin de du repas.
ta spiritualité, elle a besoin aussi que toi aussi tu puisses l'entretenir. Ta spiritualité, elle a besoin que toi aussi tu puisses te regarder chaque jour. Comme tu te regardes dans le miroir pour faire tes cheveux, comme tu te regardes dans le miroir pour faire des maquillages, ton esprit a besoin de ça aussi. Que tu puisses te regarder dans le miroir de l'esprit pour donner la force à ton esprit. Amen. Et si tu ne fais pas ça, tu auras un esprit fort en toi, mais l'esprit fort en toi va dormir. Imaginez-vous, rappelez-vous du combat de David et Goliath. Tous ceux qui étaient du côté d'Israël, eux tous, ils étaient dans l'armée de Dieu. On appelle ça l'armée d'Israël, qui veut dire l'armée de l'Éternel. Amen. Eux tous. Ça veut dire que tout celui qui était dans l'armée de Dieu ce jour-là pouvait descendre et taper Goliath. Amen. Eux tous, ils ont oublié. Maintenant, ils regardaient à Goliath, ils disaient, oh, il est grand, il est gros, il est élancé, il est ceci, il est cela, oh, il a battu pendant des ans. Et pendant que Goliath descendait et insultait leur maman, leur papa et leur Dieu. Et tous, ce n'était pas seulement le Dieu ou la maman de David que Goliath a insulté. Il a insulté tous leurs mamans, tous leurs papas, tous leurs frères, tous leurs soeurs, tous leurs dieux. Il a insulté. Mais quand David est venu, parce que dans sa tête, il ne voyait pas son corps, mais il voyait son esprit. Amen. Il pouvait dire que je vais le taper et voilà. Couper sa tête. Amen. Aujourd'hui, il a, avant que David entre dans le combat avec Goliath, il avait dit ça même 5 fois, que je vais le couper sa tête, donner ça aux autres aujourd'hui. Et les gens lui disaient, même les frères de David, ils lui disaient, David, tu es un enfant. Lui ne regardait plus qu'il était enfant. Amen. Il était en train de se voir en esprit. Amen. Quand tu te regardes en esprit, tu es un géant. Amen. Quand tu te regardes en esprit, tu es un homme très très fort. Amen. Ils avaient oublié que l'Éternel était leur Dieu. Et cette chose-là, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi-même. C'est toi-même, quand tu te réveilles chez toi le matin, tu dois te rappeler que ton Dieu est le plus grand Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est toi-même. Ce n'est pas un pasteur qui va te réveiller. Ok, réveille-toi. Ok, réveille-toi. Oui, ton Dieu est le grand Dieu. Oui, papa, mon Dieu est le grand Dieu. Non. Ça, c'est toi-même. Amen. Quand tu te réveilles le matin, mon Dieu, c'est l'Éternel. Mon Dieu est le plus grand. Mon Dieu est le plus fort. Mon Dieu est le redoutable. Mon Dieu, tu te réveilles toi-même. Tu es en train de te rappeler que ton Dieu est grand. Amen. Et quand tu te rappelles comme ça, quand ils vont venir avec leurs petites choses, tu ne vas pas trembler. Amen. Mon cher Karama, tu ne vas pas trembler. Parce que tous maintenant, nous sommes l'armée d'Israël. Amen. Nous tous, ce n'est pas seulement les pasteurs, nous tous, nous sommes l'armée d'Israël. Mm. Et parce que nous sommes l'armée d'Israël, chacun de nous doit faire tomber son Goliath. Chacun Amen. De nous doit. Tu tiens, oui, à taper tes Goliaths et tu avances. Oh, mon frère, ma soeur, tu es un géant. Laisse-moi taper ton géant pour toi. Mm. C'est ça le travail de Jésus. Il est venu nous rappeler, nous tous, ces choses ici. Il est venu nous dire, il était venu nous démontrer c'est quoi vivre en esprit. C'est pourquoi, quand il pouvait marcher sur l'eau, et Pierre lui aussi a dit que oh, ça c'est une bonne chose, laisse-moi essayer. Il a aussi essayé, il a fait quelques pas, maintenant il a douté. Il a regardé les vents, il a regardé l'eau, il a douté. Et c'est pourquoi il partait en bas. Jésus-Christ est venu dire, pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Ces choses ici, tu peux les faire. Amen. Et il lui disait ça en disant que ça, je n'ai pas fait ça parce que je suis enfant de Dieu. J'ai fait ça parce que j'ai la foi. Je me suis mis à marcher en esprit. Yes. Toi aussi, tu peux marcher en esprit. Amen. La marche en esprit, c'est pour tous. Amen. Et c'est une marche qui peut te faire partir de victoire en victoire. Amen. Chaque Amen. Jour, tu te réveilles en victoire. Avant de dormir, victoire. Après, tu te réveilles, victoire. Amen. Victoire en victoire en victoire. Amen. Parce que l'esprit que Dieu a mis en toi, c'est l'esprit le plus fort. Il n'y a pas un esprit qui peut se battre contre l'esprit de Dieu. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on nous a fait voir dans la Bible, que Moïse pouvait partir à l'Égypte, dire à Pharaon, laisse Israël partir. C'était l'esprit. Cet esprit-là, ça venait un peu. C'était seulement pain, on prenait. Dieu prenait seulement pain. Ok, va, dis à Pharaon de laisser Israël sortir. Et il a fait sortir Israël avec un petit esprit. Maintenant, nous avons reçu nous avons reçu la plénitude de Dieu. Amen. Il a pris la plénitude, il a versé ça sur nous. Il a mis l'esprit sur nous sans mesure. Amen. Il a pris. Donc, toi, ma soeur, viens, il prend l'océan de l'esprit, il met sur la terre. Et l'autre, c'est, il prend encore l'océan, il met. L'autre, mon frère, viens, il prend l'océan. Viens, il met. On ne peut pas venir chez Dieu et dire, oh. Oh, il n'y en a pas. Oh, révélé demain. Non. Il est l'Éternel. Amen. Il a. Ça n'est pas des quantités. Il a.
l'éternel. Chaque fois quand on s'approche de Dieu, il a des choses. Chaque fois. Et la chose numéro un qu'on peut recevoir sans même faire le combat, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et quand il les reçoit, c'est les chaînes se tombent. Amen. Les chaînes tombent, les maladies fuient, Amen. L'aveuglement fuit, Amen. Les cœurs brisés fuient. Amen. C'est ce qu'il nous a dit. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. On ne pouvait, avant que Jésus-Christ arrive, si tu es né pauvre, tu meurs pauvre. Personne ne va venir te dire de bonnes choses. Non, personne ne va venir changer ton nom. Non. Mais en Jésus-Christ, il est venu annoncer des bonnes choses aux pauvres. Il dit, tu es pauvre. Maintenant, tu peux devenir riche. À cause de l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous rendre riches. Et c'est cet Esprit que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Jésus-Christ est venu faire un travail. Tout ce qu'il faisait, c'était pour nous expliquer qu'un homme peut marcher en esprit. Que tu peux, que tu te réveilles entre le matin. Dès que tu te réveilles le matin, tu cherches où est ton esprit. Ou tu cherches où est l'esprit de Dieu dans ta vie. Brasha, cobra. Tu prends, tu le positionnes encore. Brasha, tata. Tu sors en esprit. Pour faire ta vie, pour faire tes affaires, pour regarder ta famille, pour regarder tes frères et sœurs, pour regarder tes enfants. Tu fais cela en esprit. Et chaque fois, parce que nous sommes humains, chaque fois, quand le corps va commencer à revenir encore. Ok, Pasha Korobere Metakara, tu le mets encore en esprit. Et tu commences à vivre en esprit. La vie spirituelle, cette vie que nous avons en Jésus-Christ, c'est quand toi-même tu t'emmènes en esprit que personne ne pourra plus jouer avec toi. Parce qu'il n'y a pas de débat. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que partout où Dieu s'est présenté, il n'y avait pas de débat. Dieu ne fait pas de débat. Satan peut venir avec des débats, beaucoup de choses. Non, Dieu ne fait pas de débats. Dieu n'a pas besoin de s'expliquer beaucoup pour que la chose arrive. Non, Dieu n'a pas besoin d'un an pour faire quelque chose. Non, il dit la chose et la chose arrive. Parce qu'il dit la chose en esprit. Parce que Dieu est un esprit. Tout ce qu'il dit, ça se fait directement. Quand Dieu vient et dit que, oh, aujourd'hui c'est un dimanche. Si Dieu se présente maintenant et dit que, ah, aujourd'hui c'est un joli samedi. Si toi tu te réveilles, tu te dis, oh, monsieur Dieu, excuse, aujourd'hui c'est pas samedi, c'est dimanche. Il va te dire, regarde encore. Parce que quand lui il dit la parole, tout sort pour changer tous les calendriers du monde. Et quand tu vas regarder encore, ça sera un samedi. Et c'est Dieu que nous avons. Maintenant, en Jésus-Christ, Dieu est venu dire la paix sur toute la terre. Ça veut dire que tu ne peux plus dire, oh, monsieur Dieu, chez moi, il n'y a pas la paix. Non, 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 regarde d'abord. Dieu a déjà dit la paix sur toi. C'est ça le travail de Jésus-Christ. Il est venu amener la paix sur toute la terre. Ça veut dire que toutes les choses dans ta vie qui étaient là pour enlever ton confort, l'Esprit de Dieu est contre ça. L'Esprit de Dieu veut couper la tête de ces choses-là. Chaque jour, Dieu est contre les méchants. Chaque jour, Dieu est contre Satan. Dieu n'a jamais fait des copes avec Satan. On dit, oh, on va travailler ensemble. Non. Dieu se fâche contre Satan chaque jour. Il est contre Satan chaque jour. Mais Dieu, quand il apparaît, il va se mettre détruire tout le travail de Satan. Chaque jour. Il n'y a pas de minute où Dieu dit, ah, oh, c'est le travail de Satan, ils sont opérés. Non, non, non. Dieu, chaque jour, il veut détruire le travail de Satan. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est sur Jésus-Christ. Toutes les choses qu'il a citées là, c'est ça, c'est ce que Satan peut faire. Satan ne peut pas dépasser les choses là que j'ai citées. Tout ce qu'il fait, c'est seulement les choses qu'on a citées. Rendre les gens aveugles, mettre les gens en prison, rendre les gens pauvres, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas partir au-delà. Chaque fois que Dieu se présente, chaque fois que Jésus-Christ est présent, c'est pour détruire ces choses-là. Chaque fois qu'il n'y a pas de congé ou il n'y a pas de mouton, chaque fois quand Jésus-Christ apparaît, c'est pour détruire les choses-là. Jésus-Christ est contre le travail de Satan. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres de Satan. Chaque jour, il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Dieu veut détruire le travail de Satan. C'est nous qui arrêtons le travail de Dieu. C'est nous. Dieu vient, veut faire des trucs. Nous, donc on arrive là, on veut te dire, ah, aujourd'hui c'est pas pour moi. Non, non, non. Chaque jour c'est pour toi. Amen. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu, chaque jour c'est pour toi. Amen. Le matin, quand nous nous réveillons, Dieu renouvelle sa bonté. Amen. Le matin, c'est que, donc si j'avais mal à la tête lundi, je viens chez Dieu, il me donne. Mal au pied mardi, je viens chez Dieu. Mal au cœur mercredi, jusqu'à même le dimanche.
quand je rencontre un problème, Dieu encore va résoudre le problème. Ce n'est pas que, oh, j'ai demandé à Dieu cinq choses, maintenant c'est dimanche, je vais chercher un autre Dieu. Non, 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 non. Dieu va être contre ça. Dieu veut que tout ce que tu as, tu les apportes vers lui et il résout tous tes problèmes. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. C'est ça le travail de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, ce que je présente avec vous aujourd'hui, c'est ceci. Il y a l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là, c'est ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il était venu nous expliquer comment la vie en esprit marche. Et ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est pourquoi vous allez voir que partout, la Bible dit que partout où Jésus-Christ allait, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il faisait ceci, il faisait ceci, il faisait ça. Il était en train de détruire tout le travail de Satan, chaque jour. Et cet esprit-là, nous aussi, nous l'avons. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. Ce n'est pas un esprit qui te dit, oh, l'Esprit de Dieu vient. Non, 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 non. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le jour où l'Esprit de Dieu est entré en toi. L'Esprit de Dieu peut entrer en toi et dormir. Si toi, tu ne le réveilles pas, il va être en toi et dormir. Ça veut dire que tu vas sortir là chercher une solution très loin, pendant que la solution est en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut parler avec toi. L'Esprit de Dieu veut communier avec toi. L'Esprit de Dieu veut être en mesure de tourner en toi. Ça tourne en toi, ça vient sur ta tête, ça continue à tourner, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Que tu es en train de dormir dans le flot de l'Esprit. Parce que quelquefois on dit que soyez ivre de l'Esprit. Ça veut dire que quand tu es ivre de l'Esprit, donc tu ne vois plus les choses que les autres gens voient. Quand les gens disent, oh, ne marche pas sur cette avenue, tu vas tomber. Un homme libre, n'écoute même pas les conseils des gens là. Marcher, bro, tiens de marcher. Donc rien ne peut plus te faire tomber. Rien ne peut plus amener la honte dans ta vie. Parce que tu es ivre de l'esprit, bro, que la tiens de marcher là, bro, que tu ne vas pas reçu dans la vie. Oh, je vais reçu, je suis en train de reçu, bro. Tu n'écoutes plus ce que les gens te disent. Mais tu écoutes ce que l'Esprit de Dieu te dit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut te donner tous les bons conseils du monde. L'Esprit de Dieu connaît les secrets. L'Esprit de Dieu veut marcher avec toi pour que tu puisses percer. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout ce travail-là. Et cette énergie ne peut pas être limitée. Personne ne peut mettre stop à la marche de l'Esprit de Dieu. Non, personne ne peut pas. Parce que l'Esprit de Dieu est un boule de feu. Ça brûle aussi. L'Esprit de Dieu est un boule de feu. Ça brûle aussi. Alors, je vais te traiter des choses. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. C'est à toi de le faire sortir. Boche Karamaka, Esprit de Dieu, monte, tourne en moi, monte, commence à tourner en moi. J'ai besoin de cette énergie, Quand il y a le stress, quand il y a ceci, quand il y a cela, Boche Karamaka, Esprit de Dieu, tourne en moi. Quand tu n'arrives pas à bien voir, Boche Karamasoko, Esprit de Dieu, laisse-moi voir proprement, Boche Karaboro, Boche Karamaka, parce que c'est ça le travail de l'Esprit de Dieu et il va faire cela dans ta vie. Amen. Nous allons tenir debout pour prier. Boche Karabo. Boche Karabo. Boche Karabo. Boche Karabo. Boche Karabo. Boche Karabo. Tu as écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Moshe Karamasika. Je veux que tu puisses prier, Moshe Karamasika. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà en toi. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. Vas-y, communique avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Moshe Karamasika. Dis-lui de monter. Dis-lui de tourner en toi. Dis à l'Esprit de Dieu qui est en toi de tourner. Moshe Karamasika. Tourne en moi, Esprit de Dieu, ce matin, nous te demandons.
contre. Dieu est contre le fardeau. Tous les fardeaux que les méchants amènent dans la vie. Dieu est contre tous ces fardeaux. Les travaux de l'Esprit de Dieu. Les travaux de l'Esprit de Dieu. Et prêtez-moi la parole.
Please,
Oh, ça va être facile. Oh, Chia Karamoko. À cause de l'Esprit de Dieu sur toi. Oh, péché, arrête ta Omoko. Là où les gens tombaient, toi tu ne vas pas tomber. Oh, Chia Karamoko, pour remercier Karamata. Oh, c'est possible pour toi. Oh, Chia, arrête ta Omoko. Parce que c'est l'Éternel qui t'aide. Parce que c'est le Dieu d'Israël qui t'aide. Oh, ça va être facile pour toi. Je vois la main de Dieu entrer dans la vie de quelqu'un maintenant. Je vois la main de Dieu entrer dans la vie de quelqu'un maintenant. Je vois la main de Dieu entrer dans la maison de quelqu'un maintenant. Là où il y avait les disconforts, il va avoir les conforts. Oh, Shiva, Omoko, 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 par le sang de Jésus.
l'esprit maintenant visite cette église. Que les chaînes se brisent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que les chaînes de la maladie, les chaînes de stérilité, les chaînes de chômage, les chaînes de soldats, libèrent le corps ce matin. Pour cette parole puissante que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, fais manger ce matin.
Nous bénissons ton Saint-Nom pour ton serviteur que tu as amené, Seigneur, de loin pour nous parler de ta part. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel, Dieu des armées, de ce que, Seigneur, mon Dieu, papa, mon frère, ma soeur, a été rassasié, Seigneur, mon Dieu, de ce moment passé en ta présence. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ô éternel Dieu des armées, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci, Seigneur mon Dieu. Et nous bénissons, papa, ton serviteur, Seigneur mon Dieu, nous le bénissons. Lui, sa vie éternelle, mon Père, ses activités, Seigneur mon Dieu, ainsi que son retour. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, pour des siècles sans fin, Jésus, reçois la gloire. Amen. Et nous voulons offrir à Dieu avec joie. Amen. Amen. Nous allons prendre et nous allons encore nous aider pour prier. Et nous allons présenter nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Alléluia. Amen. Et on va prier avec la diaconesse Virginie pour les dîmes, les